Donc, ce sera une vidéo achat, parce qu'aujourd'hui, j'étais à Decathlon. Donc, voilà. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Donc, je pense que vous avez. Donc, j'ai acheté que deux achats. Parce que je n'avais pas assez. Déjà, je voulais acheter à l'école en août, mais comme je vais y retourner bientôt, je me suis dit, non, là, ils sont encore beaux. Donc, voilà. De toute façon, je n'avais pas assez. Il fallait à tout prix que je prenne une boîte de bronzage. Je pense que vous savez tout, j'arrête pas d'en parler. Et des fringues, parce que je n'en avais plus. L'école était à 19 au lieu de 27 euros. Franchement. Donc j'espère que pour la prochaine fois, ce sera toujours le même prix. Désolée si je parle pas fort. Donc voilà. Alors si le paquet que je vais vous montrer est ouvert, c'est parce que j'ai fait une vidéo. Je l'ai ouvert pour vous montrer. Mais, comme elle est loupée, là, alors que je recommence. Ça va pas plus. Il va falloir que je recommence. Alors. Déjà, j'ai acheté des friandises aux fruits rouges parce que je n'en avais plus. Donc la dernière fois, j'ai pris la pomme. Donc là, c'est aussi pris aux fruits rouges. C'est un petit charbon. C'est de marque Lienza. La pomme, je n'ai même pas ouvert le paquet quand je les ai pris, que ça sentait déjà super bon. Alors quand j'ai ouvert le paquet, ça sentait fort. Plus bon. Ils sentent meilleur que la pomme. Entre les friandises aux fruits rouges et à la pomme, je vous conseille celle-là aussi. Parce que à la pomme, c'est, je sais pas si vous, c'est pareil, mais c'est à votre Decathlon, mais à la pomme, donc ils ont coûté 3,99, donc c'est pareil pour ceux-là qui ont été à la pomme. C'était que je pense de petits bâtonnets, les petits pommes sages. Attendez, je sais pas si on a dans ce paquet-là. Mais ils étaient vraiment tout petits. Voilà, ils étaient vraiment tout petits comme ça-là. Alors, tandis que dans ce paquet-là, ils sont vraiment immenses. Regardez. Comparer la taille là à celle là quoi. À la pomme il y en avait que deux grands comme ça, c'est tout. Alors là je vais pouvoir faire au moins plus de 2 mois avec cette friandise. Puis ça sont trop bon. Peut-être que je vais goûter. J'ai goûté sur la pomme, peut-être que je vais goûter. Et franchement je peux vous dire, on a vraiment presque, ils sont pratiquement toutes les friandises sont pratiquement cette taille là. Il y en a qui sont peut-être un peu cassés, mais pratiquement, ils font tous pratiquement cette taille-là. Excusez-moi, j'ai rien à l'intérieur. Je vais vous en montrer une pour vous montrer l'intérieur. Voilà. Et puis l'extérieur est comme ça. Voilà, je marque Fontaine Drive, donc c'est 3,80. Ensuite, comme je ne sais pas si vous le savez, une boîte de pinçage. Donc c'est la GB700 de marque Fontaine Drive qui peut supporter 80 kg, donc on peut planter dessus. Et à l'intérieur, elle peut contenir jusqu'à 30 litres. Et là, on peut mettre son prénom. Alors là, on peut mettre un cadenas. Voilà. Là, il y a la poignée qui est plus claire que le reste. Et elle est de marque Fugenza. Acheté à Decathlon, quoi. Et là, il y a un porte-cravache. Là, il y a un porte-cravache. Donc, je vais vous montrer avec ma cravache. Donc, par contre, moi, ma cravache, elle ne va pas. Il y a juste un côté qui va. Il y a juste le côté. Là qui va, l'autre côté en fait il ne va pas, enfin on peut le poser mais vous voyez il ne tient pas, c'est un peu trop petit de là. Mais par contre de là c'est vraiment parfait quoi, en fait. Pour l'enlever il faut vraiment forcer pour la mettre un peu pareil. Donc voilà. Donc voilà, donc je vais vous montrer de plus près. Et l'ouverture est très simple, il suffit juste d'appuyer. Ici et dessous. Donc, je vais vous montrer la télé. Dès maintenant. Donc voilà. Donc quand on l'ouvre. Alors déjà quand je l'ai acheté, elle était pas comme ça. Voilà. Quand je l'ai acheté, elle était comme ça. Donc comme vous voyez, ici on a un grand compartiment.
ici un tout petit. Donc là, c'est pour mettre le pinceau. Il y a même un pinceau de dessiner. Et moi, comme je n'en ai pas, je ne mettrai pas le pinceau. Donc ça, c'est la même couleur que la feuille. C'est plus clair que le reste. Donc je vais l'enlever. Donc ça, on peut le mettre de ce côté-là. Je ne sais vraiment pas si vous voyez. Voilà, de ce côté. Là, ça, on peut le tourner et le mettre de l'autre côté. Donc moi, je le mettrai de l'autre côté. Et là, on a donc un autre petit compartiment. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'aura pas été trop longue. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus!